May the Lord Jesus Christ bless you tonight. Nous aimons être toujours devant sa présence. We always want to be before his presence. Nous croyons que devant sa présence, we do believe before his presence, le Seigneur fait grâce. The Lord will grant us his mercy and grace. L'Écriture dit, the scripture says, qu'il fasse luire sa face sur toi. May he show his face, make his face shine in front of you. Et qu'il t'accorde la grâce. And he may grant you mercy and grace. Voilà pourquoi ma prière ce soir. That is why my prayer tonight. Et que le Seigneur te fasse grâce. The Lord shows his mercy and grace upon your life. Ok, sans plus tarder, nous prenons l'Écriture. Without delay, we'd like to take our scripture. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 11. In the book of Genesis, chapter 11. Nous prenons le verset premier jusqu'au troisième verset. From first one up to three. Un frère de livre. If a brother can read for us. Genèse, chapitre 11. Genesis, chapter 11, verse 1 up to 3. Le verset premier jusqu'au troisième verset. Seigneur nous a encore fait grâce. The Lord has granted us his grace once again tonight. Afin que ce soir, le torrent qui est la vraie parole puisse encore te visiter. In such a way that the river which is the real word may visit you tonight. Dans le livre d'Ézéchiel 47. In the book of Ezekiel chapter 47. On vous parle d'un torrent. We're being told about the river. C'est un torrent qui vient de l'éternité. It's a river coming from eternity. Et qui vient visiter les hommes sur la terre. Coming and visit men upon the earth. L'image d'un homme céleste. A heavenly image of a man. Arrivé sur la terre. When he gets on the earth. Ce torrent va se diviser en quatre portions. That river will divide itself by four ways. Mais l'Écriture précise. But the scripture says, les quatre portions avaient pour objectif the four portions had as a goal de faire l'expiation. To atone, to make the atonement. C'est-à-dire quand on parle de l'expiation dans la Bible. So whenever we talk about atonement in the Bible, là je suis dans le livre de Lévitique chapitre 16. I am in the book of Leviticus chapter 16. Le verset 20 à 21, le verset 30 à 31. Verse 20 to 21 and 30 to 31. L'expiation veut dire ôter les péchés, ôter l'iniquité, ôter l'impureté. The atonement means to take away sins and iniquity. En d'autres termes, les quatre portions avaient pour objectif d'ôter les péchés, d'ôter l'iniquité, d'ôter l'impureté. So in other words, the four headquarters had as a goal to take away the iniquities and the sins of the man. Quelle que soit la manière que le Seigneur peut nous conduire ce soir. No matter the way the Lord is going to lead us tonight. Mais l'objectif final est que le Seigneur présente un peuple sans tache ni ride. That the final goal is the Lord to present a people without stain. Et que cette parole prenne place en toi. So that this word may find a place in you. Et au retour que tu puisses manifester la nature de la parole. That you may show the nature of the word when you go home.
Par la grâce de Dieu, by God's grace, hier nous avons déjà commencé à parler sur la chute de la tour. Yesterday we started talking about the fall of the tower. Et nous sommes allés dans le livre de Genèse chapitre 3, le verset 18. We went in the book of Genesis chapter 3, verse 18. Là, nous avons montré à la lumière des Écritures. We read in the scripture. Comment est-ce que avant la transgression de l'homme, before the fall of a man, l'homme avait le pouvoir sur l'animal. The man had power over the animals. Mais après le péché, but after the sin, l'homme est devenu faible. Man became weak. Au lieu de l'homme dominer l'animal, instead of a man to rule over animals, mais c'est l'animal qui commençait à dominer l'homme. It was the animals ruling over man. Et nous disons à la lumière des Écritures, and based on the scripture, précisément dans le livre d'Ésaïe chapitre 18, le verset 6, Isaiah 18, verse 16, le temps où l'animal mange et domine, the time that the animal is eating or ruling, ce temps est appelé l'hiver. That time is called winter. Pour dire tout simplement, lorsqu'on avait dit au serpent de manger la poussière, c'est-à-dire de dominer sur l'homme. So when the serpent was asked to eat the dust, in other words, to rule over man. C'était un temps de l'hiver pour l'homme. It was a time of winter for us. Mais il y avait une espérance pour l'homme. But there was a hope for man, for humankind. Cette parole espérance se base dans Cantique des Cantiques chapitre 2. That hope is found in the book of Songs of Songs chapter 2. Où l'Écriture donne l'espérance à l'homme que l'hiver est passé. Where the scripture is giving hope to man that winter is over. Et là nous avons compris que l'hiver c'est une saison. And we did understand that winter is just a season. Même si l'hiver peut venir, even if winter may come in your life, dominé par des problèmes, ruling over your problems or ruling over your life, dominé par des difficultés, you are overwhelmed by difficulties, tourmenté par la maladie, tormented by sickness and disease, mais l'Écriture y ouvre une porte d'espérance pour l'homme que c'est une saison, ça doit passer. But the scripture says it's only season and it will be over soon. Et cet homme que l'animal mangeait l'homme, and the time that the animals were eating man, c'est aussi cet temps que les nations dominaient aussi à Israël, parce que Israël était aussi un autre Adam. It was also time that the nation were ruling Israel, because Israel represented another Adam. De la même manière que l'Éternel donna la terre à Adam, but the same way the Lord God gave the earth to Adam, il va donner aussi une terre appelée Canaan à Israël. He will also give another land, a Canaan land, to the Israelites. Par le péché, Adam est devenu faible. Through sin, Adam became weak. Et par le péché aussi, Israël est devenu aussi faible et était la proie des nations. And also through sin, Israel became weak and they became the prey of the nations. Et le temps où Israël est dominé par les nations, c'est le temps de l'hiver. And the time that the Israelites were ruled by the nations, that was the time of winter. Mais après l'hiver, il y a un printemps qui arrive. But after winter, the spring is about to come. C'est ce qu'on appelle le temps de chanter. That's what we call the time to sing, time of singing. Voilà pourquoi le Seigneur donnera la victoire à Israël. It is why the Lord God shall give victory to Israel. Là, je suis devant la mer rouge. I am before the Red Sea. L'animal qui dominait sur eux, c'était Pharaon. The animal who were ruling over them were Pharaoh. Cet animal a été englouti dans la mer rouge. That animal sank in the Red Sea. Et au-delà de la mer rouge, Israël chantera. And beyond the Red Sea, the Israelites sang. Et Israël qui chantera, c'est ça le temps du printemps parce que l'hiver est passé. And that, l'animal qui est Pharaon était englouti. So the time of the Israelites were singing, that's the springtime, meaning that the winter is over. Because voilà pourquoi toi aussi dans ta vie tu dois avoir toujours de l'espérance. That is why in your life you need to have hope. Les problèmes peuvent venir. Problems may come in your life. Le combat, les difficultés, même la maladie. Difficulties, sickness and so forth. Mais comprends que c'est une saison, c'est l'hiver. But do you understand it's only a week, it's a winter season. Il y a une porte de l'espérance. There is a door of hope. Cette porte de l'espérance qui dit, the door of hope says, que l'hiver comme une saison, ça doit passer pour que tu puisses vivre le printemps. Winter is a season, we will be over soon, that you may leave the springtime. Voilà pourquoi ma prière ce soir. That is why my prayer tonight. Et que le Seigneur te fasse chanter. That the Lord may make you sing tonight. Et que tu puisses vivre le printemps. And you may leave the springtime. Parce que l'hiver doit passer. Because the winter time has to pass. Voilà un peu de nous.
God's in brief. Mais pour ajouter quelque chose ce soir, in order to add something tonight, ou avant d'ajouter quelque chose ce soir, or before adding something tonight, je suis d'abord quelque part. Je suis d'abord quelque part. Or I am somewhere. Dans le livre d'Exode chapitre 30. In the book of Exodus chapter 30. Là je prends le verset 7 jusqu'au 8e verset. Verse 7 up to 8. Que dit l'écriture là-bas? What does the scripture say? Là on remarque quelque chose. We shall notice something. On parle du temps où on offrait le parfum. Je parle du parfum du soir. I'm talking about the evening incense, the time that they were offering the incense. Parce qu'en Israël, le souverain sacrificateur entrait dans les lieux saints chaque jour. In Israel, the high priest was entering the most holy place every day. Mais dans les lieux très saints, il entrait une fois par an. So in the most holy place, he was going in the most holy place once a year. Et quand il entrait dans les lieux très saints, when he was getting to the holy place, il pouvait offrir les parfums le matin. He could offer the incense in the morning. Et offrir aussi les parfums le soir. And also the incense, offering the incense at the evening time. Maintenant, remarquez. Now notice one thing. Lorsque le souverain sacrificateur offrait les parfums le soir, when the high priest was offering the incense in the evening time, au même moment où il offrait les parfums, the time was offering the incense, à l'offrande de le, à l'heure de l'offrande du soir, at the time of the evening offerings, directement il allumait aussi la lampe. He was also lighting the light. Il allumait aussi directement le chandelier. And also to light up the candlestick. C'est-à-dire lorsque les parfums s'offraient le soir, so when the incense were being offered to, at evening time, et au même moment la lumière était allumée. At the same time, the lamp has to be on. Ça, c'est merveilleux, ça. That's wonderful. C'est-à-dire la présence du parfum fait allumer la lumière. So the presence of the incense will make the light to be on. Comprenez que le parfum c'est une bonne odeur de voiture. Do you understand that incense has a beautiful smell, an aroma smell before God? Et comme ce soir, le Seigneur est en train d'offrir le parfum. And even tonight, the Lord God is offering some incense. Le parfum qui est en train de s'offrir ce soir, the incense that are being offered tonight, c'est ce qu'on appelle la parole que vous entendez. That's what we call the word of God you are listening to. Et la parole comme le parfum qui s'offre, the word of God is the incense being offered, doit marcher avec la lumière dans vos vies. Have to walk with the light in your life. C'est-à-dire quand la parole s'offre, so when the word is being spoken, le Seigneur manifeste sa parole, the Lord will manifest his word. La lumière soit constatée dans vos vies. The light has to be seen in your lives. Voilà un peu aussi l'importance du parfum. That's the use of the incense. Mais on ne se limite pas seulement là. But we just don't stop there. Parce que nous disons le parfum c'est la bonne odeur. Because we see that the incense has a beautiful aroma. Jésus-Christ aussi sur la croix était comme le parfum d'une bonne odeur. Jesus Christ on the cross was an incense of a fragrant aroma. En d'autres termes, l'homme que Dieu a agréé. The man that God has accepted. Je me rappelle encore lorsque Noé était sorti de l'arche. I remember when Noah came out of the ark. Il était très reconnaissant. He was very grateful. Il dira, je vais offrir un sacrifice de reconnaissance. Say, I will offer a sacrifice of gratefulness to God. Souvent, nous les hommes, nous sommes ingrats lorsque Dieu fait des choses pour nous. Most of the time, us men, we are ungrateful whenever God does something in our life. Mais Noé savait que c'est Dieu qui nous a sauvés du déluge. Noah knew that God saved them from the flood. Des grandes eaux. Of the great waters. Alors, je dois offrir un sacrifice d'action de grâce. To offer a thanksgiving sacrifice. Voilà pourquoi après le déluge. That is why after the flood. Là je suis dans le livre de Genèse chapitre 8. I am in the book of Genesis chapter 8. Noé va offrir un sacrifice. Noé will offer a sacrifice. Et lorsque Noé a offert ce sacrifice, when he did so, l'Écriture dit l'Éternel sentit la bonne odeur. The scripture say the Lord smelled a fragrant aroma. On dit tout simplement ce sacrifice était comme un parfum. Meaning that a sacrifice was an incense of a fragrant aroma. Et la même manière aussi sur la croix, Jésus-Christ était comme le parfum d'une bonne odeur devant Dieu. Jesus Christ as well was a fragrant aroma before God. Parce que c'est par ce sacrifice que Dieu nous a agréé. Because it's through that sacrifice that God has accepted. Maintenant, remarquez, Jésus-Christ a été offert le soir. Now notice, Jesus Christ was offered in the evening time. C'est l'heure de l'offrande du soir. It's during the evening offering. Mais arrivé à midi. But at noon, la lampe
parfum d'une bonne odeur. Jesus Christ was offered as an incense of a fragrant aroma. Et vous savez, Jésus-Christ est le sacrifice de Jésus-Christ. Jesus Christ is the sacrifice of l'équivalence des sacrifices. Jesus Christ is the equivalent. L'équivalence des sang de Jésus-Christ. Equivalence of the blood of Jesus. J'ai posé la question à une personne. I asked the question to somebody. Je lui ai dit, est-ce que tu connais la quantité du sang de Jésus-Christ? I asked him, do you know the quantity of the blood of Jesus? La quantité du sang de Jésus-Christ. The quantity of the blood of Jesus. Et l'importance de cette quantité. And the importance of that quantity. Parce que le sang de Jésus-Christ a une mesure. Because the blood of Jesus Christ has a measure. You need to know the measure of that blood. Et l'importance aussi de cette mesure. Also the importance of that measure. L'équivalence de l'œuvre de la croix. The equivalence of the work of the cross. Nous sommes directement dans le livre de Lévitique chapitre 23. We are in the book of Leviticus chapter 23. Là nous allons remarquer. We shall see that. Quand on présentait la gerbe, on élevait la gerbe. When they took the sheaf. C'est à la fête des prémices. At the feast of the first fruits. Avant de lever cette gerbe là. Chief, il y avait premièrement la mort de l'agneau. There was first of all the death of the lamb. Et on offrait aussi une libation. Une libation. They had to pour the wine. Et cette libation était de un quart. And pouring that wine is one quarter. La mesure de libation. The measurement of the wine. Avant que la gerbe ne soit l'élevé. Before the sheaf may be shaved. Il faut premièrement une libation soit constatée. You first have to see how the measurement. Et la mesure de cette libation était de un quart. And the measurement of it is of one. C'est-à-dire la gerbe élevée. The sheaf that has been raised. C'est ça l'ascension de Jésus-Christ qui est monté. That Jesus Christ ascending to heaven. Mais avant que Jésus-Christ ne monte. Before Jesus Christ may be ascended to heaven. Il faut premièrement une libation de un quart. We need to see a one quarter. Of the measurement. Alors parlant de la libation, l'Écriture fait allusion directement au vin. The scripture explains that is the wine. Alors que dans les Écritures, le vin parle aussi du sang. Because in the scripture, the wine explains the blood. On dit que c'était la mesure du sang de un quart. It was the measurement of the one quarter. Afin que la gerbe ne soit élevée. For the sheaf may be shaken. Il faut une mesure du sang de un quart. We need a measurement of one quarter of wine. Or, nous comprenons. Then we can understand. Que la mesure du sang de the measurement of the blood of Jesus Christ was of one la quarter. Quantité que Jésus-Christ a versé sur la croix comme sang, c'était un quart. The quantity of the blood that he shed on the cross was one mais quarter. Pourquoi seulement cette mesure-là? Why only that measurement? Je suis quelque part. I am somewhere. Dans le livre de Nombres chapitre 9. In the book of Numbers chapter 9. Là nous remarquons Saul avec son serviteur. We shall notice the king Saul with his servants. Ils étaient à la recherche des ânes. They were looking for some donkeys. Mais arrivé quelque part. When they got somewhere. Ils se sont dit mais nous avons perdu le chemin. They say we are lost. Nous devons chercher quelqu'un pour nous faire monter le chemin. We need to look for somebody to show us the way. Mais qu'est-ce que nous allons faire? What are we gonna do? Le serviteur va orienter Saul. The servant will show the way to the king Saul. Et il dira dans cette ville il y a un homme. He said there is a man in that city. Mais pour que notre chemin soit ouvert. For your way to be open. Mais il fallait premièrement que nous puissions lui donner quelque chose. You first of all you need to give us something. Mais la chose qu'on devait donner à Samuel pour que le chemin soit ouvert. The thing that has to be given to Samuel before the way mais to be open. La mesure était de un quart. The measurement was for one quarter. En d'autres termes, devant Samuel. In other words, before Samuel. Un quart c'était une mesure qui devait ouvrir le chemin. One quarter was a measurement that was
closed. Même si le chemin est fermé, even if the way is closed. Là où les gens ne voient pas le chemin, where people don't see the way. Et à cause de l'œuvre de la croix, because of the weight of the cross. Nous croyons que le chemin doit être ouvert. Do we believe that the way has to be open? Pourquoi le chemin doit être ouvert? Why does the way have to be open? Parce que l'équivalence de l'œuvre de la croix c'est un pas. But the privilege of the way is to be open. Sometimes we do have our own way of seeing things. God does have his own way of seeing things as well. Though our way of thinking of seeing things is different from God. I'll give an example. In the book of Genesis chapter 18. There were two people coming to Abraham. So if you see the three people, we will see it was prophetic. But when Abraham saw those people, with the prophetic eye, you only saw one person. So before God, God has his own way of seeing. Whenever you don't see the way, God has already prepared the way for you. And the way has been opened through the wake of the cross. Maintenant, nous avons lu Genèse chapitre 11. Genesis chapter 11. Dans Genèse chapitre 11. Genesis chapter 11. Je veux vraiment que tu sois attaché. I want you to follow me closely here. Dans Genèse chapitre 11. Genesis chapter 11. Là, on nous parle de la tour. We're being told about the tower. Et nous parlons sur la chute de la tour. We're talking about the fall of the tower. Alors, par définition, là je suis dans Genèse, dans Ésaïe chapitre 2. Isaiah chapter 2. Le verset 12. Verse 12 to 15. Par définition, la tour veut dire tout simplement. If we have to define the tower, we may say. Selon cette écriture, la tour veut dire. Basing ourselves on this scripture. La haute montagne. It's a high mountain. La muraille fortifiée. A strengthened wall. Ou un homme élevé. Or a man that has been exalted. Oh, par là, nous comprenons directement. So we understand that. La tour égale miraille de Jéricho. So the tower equals the Jericho walls. Parce que la miraille de Jéricho, c'était aussi une miraille fortifiée. So the Jericho walls was also a strengthened wall. Alors que dans cette écriture, so in this scripture, on compare la tour à une miraille fortifiée. So they're comparing a tower to a strengthened wall. Raison pour laquelle, that's the reason why we may say que la tour et la miraille de Jéricho, c'est la même chose. So the tower and the Jericho wall is the same thing, basing ourselves on the scripture. La tour aussi, c'est un homme élevé. So the tower as well is a man who has been, exalted. If the tower becomes an exalted man, comprenez directement, la tour, c'est aussi Goliath. Do you understand that the tower is also Goliath? Parce que Goliath était aussi un homme élevé. Goliath was a man who was a
exalted. C'est aussi la statue de Nebuchadnezzar qui est élevée. The statue of Nebuchadnezzar was exalted. Because that statue was exalted. Voilà pourquoi par la grâce de Dieu, by God's grace, nous allons voir comment est-ce que la muraille de Jéricho a été écroulée. You see the way the Jericho walls collapsed. Parce que la chute de la muraille de Jéricho, c'est la chute de la boue. The fall of the Jericho walls, that's the fall of et the tower. Nous allons voir comment est-ce que Goliath a été écroulé. And we will see the way Goliath was collapsed. Parce que la chute de Goliath, c'est la chute de la boue. The fall of Goliath, that's the fall of et the wall. Nous allons voir aussi comment est-ce que la statue de Nebuchadnezzar, Daniel chapitre 2, Daniel chapter 2, the statue of Nebuchadnezzar, était écroulée. Collapsed. Parce que la chute de la statue de Nebuchadnezzar, c'est aussi la chute de la tour. Because the fall of the statue of Nebuchadnezzar is also the fall of the tower, the same thing. Pour ne citer que cela. I'm just explaining this to you. Maintenant, commençons quelque part. Now, let us start somewhere. Ici, dans Genèse chapitre 11, here in Genesis chapter 11, les hommes se sont dit ceci. Men say to themselves, ils se sont dit, rassemblons-nous. They say, let us gather together. Et élevons une tour. And let us erect a tower. Par là, nous comprenons, avant que la tour ne soit élevée, so before the tower be erected, il fallait que premièrement les gens se rassemblent. First of all, the people had to gather together. Et lorsque nous parlons du rassemblement, when we talk about the gatherings, ça nous donne déjà l'esprit des alliances. So it gives us the spirit of covenant. Pour dire tout simplement ici, les gens se sont fait des alliances. So meaning that people made some covenants. Et malheureusement, quand ils se sont fait des alliances ici, when they made some covenant here, nous remarquons ils ont jeté la pierre. We notice that they threw away the stone. C'est ça l'erreur grave qu'ils ont fait. That's the biggest mistake they made. Ils ont jeté la pierre. Throwing away the stone. Or, dans le livre de Job, in the book of Job, chapitre 6, le verset 12, 6, verse 12, la pierre, c'est l'image de la force. The stone is the image of the strength, of the power. Termes, une maison qui rejette la pierre, in other words, the house rejecting the stone, directement la maison devient une maison fragile. And that house is a weak house, qui est appelée à être détruite. And being called to be destroyed. Parce que la pierre, c'est la force. Because the stone is the power, mais the strength. Une maison qui garde la pierre, so a house keeping the stone, c'est une maison qui est forte, it's a strong house, et qui ne sera jamais détruite. It will never be destroyed. En d'autres termes, en rejetant la pierre ici, in other words, rejecting the stone here, ils deviennent comme l'écriture dit, they become the way the scripture says, la pierre est rejetée par ceux qui bâtissent. The stone has been rejected by the builders. Ils se sont déjà en train de bâtir, they are building, mais ils ont rejeté la véritable pierre. They have rejected the genuine stone. Et la véritable pierre qui est la vraie parole, genuine stone, which is the word of God, of course, et qui est aussi Seigneur Jésus-Christ. It's also the Lord Jesus Christ. Mais contrairement à l'église, but contrary to the church, l'église c'est une maison aussi. The church is also a house. Mais Jésus-Christ dira, Jesus Christ should say, tu es pierre, you are a stone, mais sur ce roc tu bâtiras mon église. Upon this rock I shall build my church. L'église c'est une maison qui est bâtie sur le roc. So a church is a house which is built upon the rock. C'est une maison qui est bâtie sur la pierre. It's a house which is built upon the stone. C'est une maison qui est bâtie sur la vraie parole. The house built upon the truth. Raison pour laquelle l'église c'est une maison qui est forte. That's the reason why the church is a house. Même si les vents peuvent souffler, even if the wind may blow, les torrents peuvent venir, the river may come, mais l'église comme maison, the church is a house. C'est une maison qui ne tombera jamais. It's a house that will never fall. Qui ne sera jamais détruite. Never be destroyed. Parce que l'église a pour force la vraie parole. Because the strength of the church. C'est pourquoi mon troisième numéro est solo.
alliance. That's what we call a covenant. Mais dans les Écritures, il y a plusieurs types d'alliances. There are many kinds of covenant. Alliance est à la campagne sur le plan politique et sur le plan political covenants. Alliance est à la campagne sur le plan religieux. Religious covenant. Sur le plan religieux. So religious covenant. Comme on a alliance, on va s'obéir dans l'écuménisme. So that's what we call ecumenism. Maman, maman, ma sandali. Oh, the religion. Chapter 13.
seulement nous avons trouvé la tour élevée. We saw the erected tower. Nous avons trouvé les fils d'Anak. We saw the sons of Enoch. Nous avons trouvé les géants. We saw some giants. Alors, quand le peuple a eu du bonheur, when the people heard that, les peuples étaient découragés. They were discouraged. Par le de ceux qui ont été sur la mission en Égypte. It's even better for us to go back. Parce qu'il y avait des ministres qui ont découragé le peuple. Because there were some pastors who discouraged. So even if the people's crying, the ministers of Africa, the people, the people, the people, the people, the people, the people, do not see the way, the minister de Dieu voit les chemins pour le peuple. The minister, you have to see the way for the people. Even if the things are crying, you are crying, I will cry. If I cry too, I have to bring hope. Even though it's been, even if there's some hindrances, God par la trompette, it's like through the trumpet.
L'objectif de cette trompette, the goal and the purpose of those trumpets, Joshua chapter 6, Joshua chapter 6, et ça qui pourrait être miraille où est ça qui est élevé, was in such a way, was that the wall, où la tour, où est ça qui est élevé, would that be exalted, that be erected, et cette tour, cette miraille soit écoulée, the tower on that wall had to go down. Par là nous comprenons, now we can understand, ce qui te montre les sur cette trompette, if we see the seven trumpets, if your job is God, will give you a job. Écriture le bien de la zone souhaitez vous prospérer à tous égards. Scripture say, I want you to prosper. Comme prosper l'état de votre âme. Just like the state of your soul. Il faut que vous sachiez que l'âme ne se déjà est prospérée. Since your soul is prosperous. Ça ne passe pas seulement qu'à prospérer ou physiquement matériel. God will make you prosper physically. Mais si quelqu'un ne s'en va pas comme nous. Whenever God has will, nous ne s'en va pas comme ça de la loi. Think God will do in your life. Au bout d'un moment donné. Don't you never ever throw this stone. If you throw this stone, you became like Babylon. And when you are blessed, when you are blessed and you throw this stone, at the end of time, at the end of the God, you can see you are so much blessed. But you don't pay your tithe. You don't support the man of God's faith. You're not supporting faith. That's what will make your strength. So we can say, in Joshua chapter 6, Joshua chapter 6, we saw seven trumpets being given to seven priests. Joshua chapter 6 is repeated in Apocalypse chapter 8. Joshua chapter 6, because in Apocalypse chapter 8, Revelation chapter 8 is what? Seven angels were given seven trumpets. All of them seven trumpets. Et ça là qui pourrait être miraille. Oh, ils sont semblables dans la tour. The wall, which is like the tower to come down. Zamba quoi il s'agit. God had to break it down. Zamba utilisant qui langage la Genèse chapitre 11. God in Genesis 11. Il y a descendant et confrontant. He used the language of saying, let us come down. Mais avant la chanson chapitre 6. So here in Joshua chapter 6. Descendant et confrontant est comme cette trompette. Let us go down and confuse them because. God speaks from different ways. He used that language like the trumpet. He used it in that language. That language became the seven trumpets. You will see the trumpet blew twice. We are dividing the seven trumpets. We are dividing the seven trumpets. Persia, Greece, and so forth. Alors, they came and destroyed Israel. The
confiscated Israel. Mais côté Israël, on the Israelite side, God also gave four stone makers. Yeah, we've been preached by the prophets. When they see the horses coming, and the raising the face on our side, on voit les quatre êtres vivants. We saw the four living creatures. Just like the angel of the Lord of the Lord, in order to protect us. Il faut vivre.
are weak. Voilà pourquoi ton soleil dit ça touche pas dans l'ensemble. That's why we're telling the children of God. Et les façons ni on s'entend avec mon éveil. Any kind of blessing you may receive. J'insiste, garde la parole. I emphasize, keep the word. Keep the word. Oh. Soutiens les frères de Dieu. Support the word. Soutiens les serviteurs de Dieu. Servant of God, awake. Mets ça ma dîme d'ailleurs. Pay your tithe. Mets ça ma offrande d'ailleurs. Give your offering. Ça ma consacre de nos sous la vanga. God will bless you. Écoute la compagnie qui banga. Always keep the stone. Don't you throw away the stone. Even if you're prospering, if you're going south, at the end of time, at the end of the day, you will come down. You will fall down. You will fall. Always keep the stone with you. Maintenant, tu as dit c'est toi. Dans Joshua chapitre 6. Joshua 6. Bazui, sept trompettes. They took seven trumpets. Bapesi a mis sept anges. They gave it to seven angels. Dans son répété, il y a même pas de comprendre bien. I'm just repeating it, that we may all understand it. Mais pourquoi Bazui sont sept trompettes, Bazui pèse à mis sept anges? Why the seven trumpets are being given to seven angels? Objectif, c'est la quête. The goal was. Miraille, on est allé fortifier. A strengthened wall. On est allé la tour. Which is the tower as well. Et tout à concourir. To fall down. They took Joshua 6. Bah, répétez à mon Apocalypse chapitre 8. Repeated it into Revelation. Bah, suite, sept anges. They took seven angels. Bah, précis, bah, moi, sept trompettes. Gave them seven trumpets. C'est la répétition de Joshua chapitre 6. Just, it's the same thing that happened. Objective, c'est ça, the goal is. The wall had collapsed. But the wall doesn't just collapse. La trompette est déterminée une fois. Because the trumpets had to blow. So where are we seeing the stone makers?
We are seeing them in two places in the book of Revelation. First of all, Revelation chapter 7. Apocalypse chapter 7, mais on a quatre forgerons comme quatre anges. The four stone makers represent the four angels. Mais qui viennent retenir les vents. They come to stop the wind. Les vents sont comparables aux quatre royaumes. The winds are compared to the four. Selon le livre de Daniel chapitre 4. According to the book of Daniel chapter 4. Mais ici dans le livre d'Apocalypse chapitre 7. Here in the book of Revelation 7. Nothing can take it away. Aucune chose ne peut arrêter ce que le Seigneur a planifié pour ta vie. Nothing can stop what God planned upon your life. Vous savez, le Seigneur a planifié pour Israël le plan du salut. God, the Lord God, planned the plan of salvation for the Israelites. Il a dit pour Israël à travers le père, c'est-à-dire Abraham. He said through the fathers, meaning Abraham. Vous posséderez le pays. You shall possess the land. C'était une promesse que Dieu a donnée. It was a promise God gave to his. Et Israël va se retrouver en Égypte. But the Israelites will find themselves. Et sous la prise aussi d'un roi puissant. And under powerful king. D'autres personnes pouvaient aussi se moquer de Dieu. Some people could mock God. Et dire mais lui il nous a promis. They could say, but he promised us. Regardons le contraire. Look at, we live in the country. Au lieu de la promesse du bonheur. Instead of the promises of heaven. Since the Lord God did it, il finira toujours par accomplir. Fulfilling it. Et je vous assure ce que le Seigneur avait planifié. I assure you what the Lord God planned upon. Même lorsque Joseph, à sa mort, even when Joseph n'était pas au couvent, when Joseph died, à son yébi saka déjà maté konaye. Saying to his brothers, et cela qui pouvait être un maté sa maman condima. Is in order to show them faith. Afin sa maman lui source d'espérance. To give them hope. Parce que mêlé la carte na maman babo n'a dit déjà condima. Many among them give up on faith. He said to them, I'm dying. I know the Lord God will bring you out of Egypt. As proof you will take my bones. And you will go out of the bones of Joseph. What the hope for the people. Équilibrer la manne ramassée dans le désert des sortes que chacun a nommé, chacun a nommé, chacun a nommé, chacun a nommé.